Ça se passe de mieux en mieux. J'ai eu du mal à revenir justement au top niveau. C'est très difficile de cette revalidation après une blessure comme celle-là. J'ai un petit creux au début de saison malheureusement, mais tout doucement ouais, je reviens au top. Ouais, c'est un cap en plus à passer, ouais, c'est sûr. Mais du moment que la concurrence est saine, tout se passe très bien. Ça me permet de progresser et de me surpasser. Ouais. Avec Felicia, c'est toujours bien passé. Chaque fois que ça allait un peu moins bien, on parlait de ce qui allait moins bien justement et on essayait de régler le problème. Non, il n'y a jamais eu de souci avec le coach, tout s'est toujours bien passé vraiment. Non, je ne m'attendais pas du tout à être titulaire justement, c'était une surprise. Maintenant, il faut répondre présent quand on est appelé, ce que j'espère avoir fait du mieux que j'ai pu. Ça a été compliqué, match très compliqué à Gand chez le deuxième. Mais je pense qu'on a bien tenu, on a été déguerré jusqu'au bout et on a su accrocher ce qu'on méritait, je pense. J'espère jouer, bien sûr. Maintenant, ce sera un beau match hein, contre Rostand, une très bonne équipe, très difficile à manier. Ce sera sûrement de nouveau la guerre. Ouais. Ce sera un très beau match, ouais. J'espère le jouer. Je n'ai pas spécialement d'appréhension. De toute façon, que ce soit dans le milieu ou derrière, déjà dans le milieu, je suis polyvalent, donc je peux attaquer, je peux défendre, donc il n'y a pas de souci. Que ce soit derrière, après, il n'y a pas de souci non plus. J'ai travaillé ça durant des matchs amicaux contre de très bonnes équipes d'ailleurs, que ce soit contre Reims. Ouais, non, il n'y a pas de souci. J'apprends facilement le changement de position. Prêt à aller à la guerre. Ouais.